C'est avec un grand regret que nous apprenons la mort prématurée de Cédric Inja dans un accident de voiture. Cette version annoncée est loin d'être vraie. La vérité est tout autre. Cédric Inja a été sacrifié par Leonidas Moton pour ses ambitions politiques. Il lui avait été demandé d'intégrer la franc-maçonnerie, mais ce dernier était dubitatif. Ce qui avait d'ailleurs mis en rage l'ancien ministre et député de Wesso 2. Rappelons que Cédric Inja avait déjà échappé à une mort certaine lors de l'accident qui avait failli emporter Leonidas Moton le 4 juillet 2017. Voici ce que disait déjà son ancien garde du corps. Oui. Vous allez m'excuser pour la vidéo. Comme je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Si j'ai eu le temps de faire cette vidéo, c'est parce que avant-hier j'ai reçu l'appel du collaborateur de Leonidas qui s'appelle Monsieur Davins. Il m'a supplié, il m'a proposé des trucs qui n'est pas tellement bien. Il paraît que c'est Leonidas qui l'a envoyé et qui l'a donné des instructions pour me contacter. Le monsieur m'appelle pour me dire « Rock, tu sais, tu es brillant. » Mais je crois, Leonidas lui a dit « Il préfère me mettre en contact avec les dirigeants de la franc-maçonnerie de la France. » Et lui-même, Leonidas, qui fait partie de la franc-maçonnerie, qui est à l'intérieur de la franc-maçonnerie, il a payé quoi comme prix après avoir adhéré à la franc-maçonnerie. Bon, il a eu à me donner ses réponses personnelles. Il m'a dit, bon, nous ne sommes pas là. Leonidas m'a dit juste de te contacter et pour qu'on te mette en contact avec la franc-maçonnerie. La Lubinaï, ton frère. Le collaborateur à Leonidas avant hier. Et ce n'est pas aujourd'hui, moi, Mingobi, je suis en franc-maçonnerie.